Yo les gens, c'est Fatman81HD, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode du Divin Chauve. Je m'excuse pour le retard au niveau de cet épisode, mais comme je suis rentré de vacances vendredi dernier, je me suis dit je vais attendre un petit peu avant de sortir l'épisode, histoire de retrouver du niveau sur FIFA. Bon, au final j'ai fait que deux matchs depuis mon retour sur FIFA, mais voilà, je pense que j'ai repris un petit peu les bases, comment défendre, etc. sur ce FIFA 15. Donc le Divin Chauve embarque les Premières Ligues dans ce quatrième épisode. Lundi il y aura donc le dernier épisode de la série, ça sera en Liga BBVA vu que c'est le dernier championnat qui nous manque, hein. Bon, il y en a d'autres des championnats, mais j'ai voulu faire les 5 championnats principaux. Donc sans plus tarder, on va aller tester le Divin Chauve embarque les Premières Ligues dès maintenant. Serie A, ouais, une belle équipe de Serie A, on a du Doumbia, on a du Sow, ça va courir vite devant, il va falloir se méfier. Après derrière c'est la base Barzagli, Chiellini, une très très grosse défense, Handanovic. Après Di Maria, le pressing. Voilà le pressing de Di Maria. Le pressing de Di Maria. Le centre pour Christophe Jallet. Le centre, la tête. Le Divin Chauve. Le Divin Chauve. Regardez, moi, la qualité dans la tête. Peng et salope, le gardien qui bouge même pas. Le gardien a lâché l'affaire. Il a dit non, c'est Jallet. Aguero. Aguero again. Aguero toujours. Aguero! Aguero! Jallet! Oh, le poteau! On va le jouer à deux. On va faire la technique de d'habitude. Hop, Depay, tu attends. Voilà, tu attends. Tu la donnes à Jallet. Le double contact de Christophe Jallet. Le Divin Chauve. Le Divin Chauve. Là, on peut voir. Double contact, toute la technique de Jallet. La frappe, c'est contré, mais c'est dans le but. C'est accordé à Jallet. Donc, un doublé direct pour son retour. Il a resserré sa ligne défensive quand même, il faut le dire. Oh putain, là ça va vite, là ça va vite, là ça va aller vite, là ça va aller vite. Le retour! Oh putain, le retour! Non mais... Oh, il plonge après ce con! Mais normalement je l'ai, ça a bugué. Allez Jallet, tu la donnes à Agüero, tu la donnes à Agüero. Agüero qui va y aller tout seul, Agüero qui va y aller. Ah! Allez, vas-y Agüero, tu me le plombes, Agüero, voilà, 3-1, c'est pas grave, Jallet marquera les 4e, 5e, 6e si on veut, mais il faut repasser, il faut reprendre de l'avance dans ce match. Eh, ça lag trop là, vas-y Jallet, va au centre mon petit, wesh, c'est quoi ça? Mais donne-moi le corner au moins, la seule frappe de mon ennemi quand même c'est le pénalty. Koscielny, Depay. Moreno. Oh là là, ça joue bien. Ça joue en une touche. Mais regardez-moi ce jeu. Regardez-moi ce jeu produit. C'est pas magnifique. Tu vas au bout des pailles. Passe décisive de Jallet. Ce jeu, une touche de balle. C'est le football qu'on aime. Football plaisir, mes amis. Voilà le rush kit. C'est ça qu'on aime. Premier match. Premier rush kit direct. Doublé de Jallet. Une passe D. Et le Divin Chauve continue sa lancée. 5 def. Gareth Bale en pointe. L'esprit Charlie dans tout ça, s'il vous plaît, putain. Ça va être compliqué, là ça va être compliqué. Parce que la défense, Varane, Pepe, Ramos, déjà quand il y en a deux sur les trois, ça fait mal. Mais là... Non, pas comme ça. Oh putain, et merde. Oh là là, oh Jallet. Le Divin Chauve. Le Divin Chauve. Hop, le petit ballon par-dessus, et bim, le petit plat du pied gauche pour égaliser d'entrée. Christophe Jallet, man fucker. Bien joué, ça. Hop là, Jallet. Hop là, il a vu. Ah merde, trop tard. Ah, c'est dommage, parce que regardez ça, il y avait but. Oh, c'est con. Non, non, pas comme ça. Bien joué. Tu décales Jallet, tu passes, y'a faute sur Cricri, putain de merde, mais tu vas aller siffler les fautes, oui, merde. Oh là là, ça joue bien. Ah, monsieur l'arbitre, là-haut. Allez, Jallet, t'es parti, Jallet. Ramos, c'est rien pour toi. Ramos, c'est du kex, y'a faute. Ah bah voilà, enfin, il a sifflé, même pas, il siffle à mi-temps, ce con. Oh, Jallet, le centre de Jallet. Oh là là, c'est dommage, c'était bien joué. Double contact.
Mais non, toujours pas faute, il y a toujours pas faute. Mais c'est incroyable. Il y a un script là, c'est pas possible. Tiens, mange. Oh non, fais chier. J'allais pas toi. Non. Il a raté. Il a raté le ballon. Comment il peut rater avec un crâne pareil, putain. Ouh là là. Oh cette passe. Oh cette passe. Oh cette passe. Non, non, Agüero, t'as pas le droit. Agüero, tu n'as pas le droit. On change d'aile. Voilà, on change d'aile. Hop là. Il y a faute. Non, mais safe, ta mère. Ouais, bah ouais, bah ouais, bah bien sûr. Ma première faute, la première faute sifflée dans le match, 95e minute quand même. La passe D maintenant. Penalty ! Mais penalty ! Mais non, mais vas-y, va pas le siffler. Bah oui, bah de toute façon, il a attendu la 95e pour sauver pour le truc. Maintenant, faut attendre encore une heure et demie pour avoir une faute. Mais c'est n'importe quoi, vas-y, c'est bon. Regardez-moi cette réussite. Non, mais c'est juste pas possible d'avoir autant de chats dans un match. Bon, bah voilà, première défaite dans la série Divin Chauve au bout du 11e match. J'aurais quand même fait 10 victoires d'affilée, c'est fort. Mais vas-y, perdre comme ça, ça me rend fou parce que je me suis fait carnat de malade au niveau de l'arbitrage. Plus bah, le mec, une réussite de fou, c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Une barque la première ligue. Une barque la première ligue, on est exactement dans le même dispositif que le mien. Ouais, bon, bah ça va jouer à Jallet, je pense. Ça va jouer à Christophe Jallet. Allez, allez, Cricri. T'es passé, Cricri. Le divin chauve. Le divin chauve. Allez, Sanchez. Tu l'as vu l'appel de Jallet. Matic. Bats-toi, Agüero. Voilà, 2-0. Ah, quand même. Je me suis fait avoir comme un débutant. J'ai plus l'habitude, moi, de défendre sur des skills. Di Maria. Oh, le poteau. Dommage. Putain, hey, Jallet, il peut faire beaucoup de passes décisives sur cet épisode. Mais il n'y a pas forcément la réussite qui va avec. Y'a faute. Regardez Jallet comment il s'est fait accrocher. Alors certes, c'est pas le mec, c'est pas lui qui a la balle, mais quand même, faut se respecter au bout d'un moment dans le jeu. Mais t'es mal, le mec, il a taclé de la tête, mon frère, il fait des trucs de torpille. Le divin chauve. Le divin chauve. Double contact. Et bim, la Lulu. Il est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu, messieurs, dames. Ah, dommage. Ouais, mais après, Chiraoui, moi, je l'avais. Il était pas précis comme ça. Une frappe, un but. Non, moi, il faisait pas ça. C'était au moins 10 frappes, 2 buts. Comment se faire revenir? Putain! Jallet qui se fait balayer en haut encore, hein, mais bon. Ça a pas l'air de choquer grand monde. Penalty, non? Non, toujours pas, mais non, mais vas-y, c'est bon, c'est grillé, ça commence à être grillé là, putain. Allez, Agüero. Non, mais là, il n'y a pas faute! Et voilà, comme par hasard, le ballon, là, il la met pas dedans, bah oui. Bon, bah, une séance de tir au but pour terminer cet épisode. Non, mais je savais, il allait la faire, je savais! Bah oui, bien sûr, bah oui, comme par hasard, Divin Chauve, il la rate, là, c'est, bah oui. Putain. Il y en a un qui va rater la séance, c'est Jallet. C'est dégueulasse aussi. J'ai plongé, mais le risque avait pas envie, il était fatigué. Bon bah voilà, faut que je l'arrête celui-là. Il chie quoi, j'ai jamais l'arrêté. Ça va, il fait une panenka.
Ça va, il fait une panenka. La première, je dois l'arrêter en fait, c'est ça qui me fait chier. Bah oui, le gardien il s'envole. Le gardien il passe par-dessus le stade. Bon, bah, deuxième défaite d'affilée. C'est comme ça qu'on va se terminer l'épisode. 12 matchs, 10 victoires, 2 défaites. Les deux défaites, c'est ce qui m'énerve, c'est comment ça se passe, quoi. C'est l'arbitrage pur et dur, je sais pas, c'est chiant. J'ai envie de retourner en vacances. C'est donc là que va se terminer le quatrième épisode du Divin Chauve. Donc 2 défaites dans cet épisode. De toute façon, la première ligue, c'est un championnat de merde. La semaine prochaine, enfin lundi, Liga BBVA. Là, je pense qu'on va repartir sur du 3 victoires d'affilée. Beaucoup de gens m'ont demandé le bilan de Christophe Jallet. Donc je vais vous le montrer. Donc vous pouvez voir 23 matchs, 20 buts et 7 passes décisives. A noter que ce bilan, il est faussé. Parce que le Christophe Jallet, je l'avais déjà utilisé plein de fois pour faire des anciens du PSG cette année. Donc au final, il y a des matchs en plus. C'est pour ça qu'il y a des matchs. C'est pour ça que son ratio n'est pas positif sur la carte. Mais par rapport à la série, son ratio est largement positif. Donc voilà, c'était Fatman4FromanceHD. Je vous dis à la prochaine les gens. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo à tes amis, à ta famille, à tout le monde. Je vous dis à la prochaine les gens. Prenez soin de vous.